In 2001, another German study caused such outrage that all mention of it was banned in some Islamic countries. A book appeared written by an expert in early Semitic languages. It was so controversial that the author published under a pseudonym and will only speak on condition that his identity remains concealed. So gesehen, ist es unbedingt erforderlich, den Koran neu zu lesen. In order to understand it correctly, we need a fundamentally new interpretation and reading of the Quran. Dr. Markus Gross helped to translate the book from its original German into English and is willing openly to express the author's views. Es wurde schon gesagt, 20%, ich würde sagen 25%. About a quarter or a fifth of the Quran contains unintelligible words or words which don't make real sense. That number can be vastly reduced with the knowledge of Syriac to, let's say, 5%. Syriac, or Syrio-Aramaic, had become one of the dominant languages of Christian liturgy by the 3rd century. Christ spoke Aramaic, and it can still be heard in remote Christian communities like this town of Malula in Syria. But at the time of Muhammad, Syrio-Aramaic was the major written and cultural language of the whole region. Written Arabic was in its infancy. Wir haben bis zum Koran einige Inschriften. There are pre-Islamic inscriptions in Arabic, very short texts, but the first real book written in Arabic is the Quran. But you're saying the Quran is written in two languages. Ja, ich würde sagen, es gibt ja kaum eine Kultursprache. In many areas in the world, languages mix constantly, all the time. Denn eine to make it understandable to a speaker of English, you have to go back about 1,000 years. Imagine the Anglo-Saxon peasant talking to his master, who was a Norman and spoke a mixed language of French and an Anglo-Saxon, and you could only understand that mixed language with a knowledge of both. Muslim scholars of the past had the confidence to acknowledge foreign words in the Quran. In the 10th century, Al-Tabari, one of the most respected commentators, identified Hebrew, Latin, Greek, Persian, Abyssinian, and Syriac words. The difference, though, is that Luxembourg is claiming new meanings that have never been suggested before. How can one German professor challenge the collective judgment of more than a billion people, and on what basis? What method does he use? Ich bin natürlich bemüht, zunächst einmal eine arabische Lesung und eine arabische. Whenever I try to find a solution for an unclear passage, the first step is to try to find an overlooked meaning of an Arabic word which is not used today but which can be found in old dictionaries, something that the commentators didn't consider. Only if that is not possible, I take into consideration the meaning of the root, of the corresponding root in Syriac, or a possible misreading. Misreading in this case means that undotted text was dotted wrongly. Then there's also the possibility that a Syriac letter was by mistake written within an Arabic text. Using these methods, Luxembourg examines some of the most obscure passages of the Quran. After Mary has given birth to Jesus, in the Arabic Quran, the archangel says to her, "Be not sad, your Lord has placed a little river beneath you." In Luxembourg's version, "Be not sad, your Lord has made your delivery legitimate." And there are other highly contentious examples. God's command to a skeptic in Arabic, "Look at your food and drink, look at your ass," becomes "Look at your condition and look at your overall state." At the end of the world, the earth steps forward in Arabic. In Syriac, the earth splits open. Plausible to some, but do any of these changes affect the central precepts of Islam? Or is Luxembourg just adding a little poetic color here and there? Was soziale Gepflogenheiten angeht, wie zum Beispiel. It's certainly not key precepts like the existence of God or afterlife, which is challenged by my interpretation, but many everyday customs. One example is the veil.
the Quranic verse adduced to prove their position talked about humur, which had to be beaten on the pockets. The sentence was a bit obscure. It's usually rendered that it means cover your head and your cleavage. And if you have a look at the chador, the veil in Iran, for example, that's exactly what is covered. Aramisch, Gmar, dann verstehe ich ein Gürtel. But with my Syriac interpretation of the verse, my translation is, put your belt around your hips. And the belt was a sign of chastity, also especially used by monks. So that makes it much more meaningful. But Luxembourg's interpretation of paradise causes the greatest offense. In the Iranian city of Isfahan, there's a 17th century palace built to represent the gates of heaven. The cool greens of the gardens beyond express the longings of a desert people and are beautifully described in the Quran, along with flowing fountains and the favors of houris, usually understood as wide-eyed virgins. One commentary, but not the Quran, even specifies numbers, 72 for each righteous man. But that doesn't sit well with seven verses of the Quran that promise the righteous eternal contentment with their wives. Luxembourg believes he has resolved this contradiction. Mit weiß großäugigen Huris verheiraten. There is one passage in the Quran dealing with the Huris, in which it says, وَزَبَجْنَاهُمْ بِحَوْرَعِينَ. We have paired them with dark, wide-eyed maidens. That is the traditional understanding of this verse. If you put the dots on the undotted text a little bit differently, what comes out is, we will make you comfortable under white, crystal-clear grapes. For the suicide bomber, then, not the prospect of 72 virgins in paradise, but in Luxembourg's interpretation, a modest bunch of grapes. German study, as far as I'm concerned, is very Christian-centric. It's influenced by the way Bible has been researched and put together. Bible and the Quran are not the same. It is the connection Luxembourg makes with Christian symbolism that is highly inflammatory to many, but a persuasive argument to others. This 5th century fresco in an Egyptian monastery depicts the archangels receiving souls in paradise. Each archangel holds a grape in one hand, and in the other cradles the departed souls, who are refreshed with bunches of grapes. The grape motif is repeated in the vestments of the priests of the Syrian Orthodox Church. All relating back to Christ's promise to his disciples at the Last Supper that he will not drink again of the fruit of the vine until he is reunited with them in his Father's kingdom. C'est l'analyse du grand savant allemand Christoph Luxembourg, qui vit caché sous un faux nom et sous le coup de deux fatwas. Et je voudrais réussir à présenter sa pensée de façon claire, donc c'est pour ça que c'est assez tendu. Hein. Parce que si j'y parviens, ça serait vraiment un scoop. Aucun éditeur ne veut prendre ses écrits parce qu'ils ont peur d'être plastiqués. Aucun journaliste ne veut se faire, ne veut le présenter. Alors, je vais commencer. Il faut vraiment bien se cramponner sur le Coran. Je vais commencer par prendre la sourate 97. Allez-y. Elle est intitulée Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit de la destinée. C'est la sourate qui est récitée la nuit du 26 au 27 du mois de Ramadan. D'après la tradition musulmane, c'est au cours de cette nuit-là que le Coran a été révélé. La sourate 97 a 5 versets, je les lis en français et en arabe. Nous l'avons fait descendre durant la nuit de la destinée. Qu'est-ce qui t'apprendra ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut mieux que 1000 mois. Les anges et l'esprit y descendent avec la permission de leur Seigneur pour tout ordre. Le cinquième verset, paix elle est jusqu'au lever de l'aube. Et en arabe, inna anzalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadr khayrun min alfi shahrin. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Or, le savant Christoph Luxembourg a regardé le commentaire de cette sourate, hein, dans chez le persan Tabari, c'est un grand commentateur,
et il voit que c'est de la bouillie pour les chats. C'est, ça ne veut rien dire. Dans le An Ta'wil al-Qur'an, le tome 30, page 258-261, écoutez bien ce que dit Tabari. Le Coran est descendu, effectivement, en une seule fois, la nuit de la destinée, ça se situe entre le 26 et le 27, comme je l'ai dit, du mois de Ramadan, dans le ciel inférieur, à l'emplacement des étoiles. C'est ridicule, dit Luxemburg. Pourquoi ? Parce que si le Coran est descendu en une seule fois cette nuit-là, n'est-ce pas, entre le 26 et le 27 du mois de Ramadan, ben comment se fait-il que la révélation se soit étalée sur 20 ans ? Si tout est descendu sur le prophète en une seule fois, en une seule nuit, pourquoi la révélation, elle a eu lieu après par, voyez, par petits bouts ? Autrement dit, cette nuit-là, tout est descendu, Anzala, et ensuite, ça s'est, en quelque sorte, ça a été révélé, Nazala, surat par surat. Le Coran serait descendu en entier cette nuit-là, puis il a été repris afin d'être à nouveau transmis par fragments au cours de l'apostolat. Incompréhensible, vraiment Tabari, il a beau être très intelligent, c'est un commentateur iranien du 9e siècle, ça, vraiment, là, il pédale dans le couscous. Or, Luxemburg dit, ce n'est pas du tout incompréhensible. Si l'on considère que la langue du Coran, ce n'est pas ce qu'on pense, l'arabe tel qu'on le croit, c'est une langue mélangée, une langue mixte, qui est un mélange d'arabe et de syriaque. Et dans cette sourate 97, il y a un mot qui pose problème, qui ne veut rien dire, c'est précisément ce mot Qadar. D'abord la preuve, Qadar, parfois j'ai vu dans d'autres Corans on met Qadr. Qadar c'est la destinée, la prédestination, le destin. Et Qadr c'est la quantité, la mesure. Qu'est-ce que ça veut dire la nuit du destin? Qu'est-ce que ça veut dire la nuit où Dieu décide des événements à venir? C'est n'importe quoi. Quel est le lien entre Dieu qui décide des événements à venir et puis le Coran qui est descendu? Or Luxemburg, Christophe Luxemburg, qui connaît admirablement et l'arabe, et l'hébreu, et le syriaque, et l'araméen, il dit, mais il faut comprendre le mot Qadar à partir du syro-araméen. Et alors là, on a la solution. Parce que le mot Qadar, c'est pas la destinée, c'est l'étoile de Noël, c'est la nativité. La sourate 97, c'est l'étoile de Noël. Et alors si vous référez à ce que dit Matthieu, Saint Matthieu 2:2, et alors on voit ceci. Où donc est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons aperçu son étoile au levant et sommes venus l'adorer. Or ces paroles sont celles des mages venus d'Orient rendre hommage à l'enfant Jésus, ces mages qui étaient, dit-on, astrologues. Et alors la sourate, elle a un sens extrêmement clair. Parce que la nuit, c'est la veille de Noël. Le mot syriaque, l'Elia, vous voyez, L-E-L-Y-A. Regardez la proximité entre le syriaque et l'arabe. En arabe, la nuit, ça se dit Leïla. Leïla. Leïla, ok. Et en syriaque, Lélia. Lélia. Et ouais, c'est également un terme liturgique. Vous vous rendez compte qu'on dit en arabe salat pour dire la prière, et en syriaque pour dire l'office de la nuit, on dit slata de Lélia. Vous vous rendez compte de la proximité. Autrement dit, ce que dit Luxemburg, c'est que les musulmans se sont totalement trompés, gourés, mais c'est vraiment n'importe quoi, car la valeur de cette nuit, elle n'est pas supérieure à 1000 mois. Ça veut rien dire, comme il n'y avait pas de point autrefois. C'est pas char qu'il fallait comprendre, c'est H-A-H-R, c'est sahr, S-A-H-R, c'est-à-dire sahar, les vigiles, c'est quand on passe la nuit. Il faut lier les deux mots syriaques, Lélia et Sahra, et d'ailleurs ça donne la nuit de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Et Luxemburg remarque qu'il y a un hadith attribué à celle que vous aimez, Aïcha, qui indique que dans la nuit, justement, d'Al-Qadar, il y a des vigiles qui sont tenus. Vous savez, des sortes de oui, veillées de prière. Or, Tarwiha, pluriel Tarawih, les prières facultatives, c'est bizarre que ça soit cette nuit-là, car en islam, il n'y a pas de liturgie nocturne. Mais la tradition, en revanche, des vigiles de Noël, elle était observée par les Arabes chrétiens. Et d'autre part, le verset 5, avec le mot salam, ça nous renvoie à l'hymne des anges cité par Luc 2:14,
Gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre. Tous les chrétiens connaissent ce chant, etc. Donc, cela rejoint la tradition de l'Église syriaque, selon laquelle la messe de Noël est célébrée non pas à minuit, mais le matin, à l'aube, d'où la précision du Coran, paix jusqu'à la pointe de l'aube. Et ça, cela est confirmé par le grand dictionnaire, le Lisan al-Arab, où si on regarde le mot nuit, on voit que la nuit la plus longue de l'hiver, faut regarder At-Timam ou At-Tamam, et on trouve ceci. Cette nuit est aussi la nuit de la naissance de Jésus, et les chrétiens la glorifient et y tiennent vigile. Donc la nuit de la destinée que les musulmans célèbrent avec tant de ferveur, c'est en réalité la nuit de Noël. Et il faut comprendre la sourate de la manière suivante, qui là prend tout son sens. Certes, nous l'avons fait descendre, l'enfant Jésus, dans la nuit de la nativité. Qu'en sais-tu de ce qu'est la nuit de Noël ? L'office de Noël, l'office nocturne de Noël est plus bénéfique que mille vigiles. Les anges accompagnés de l'esprit font descendre avec la permission de leur Seigneur toutes sortes d'hymnes, paix et cette nuit jusqu'à la pointe de l'aube. Et ce que remarque Luxemburg, c'est que ça a été une copie de d'hymnes syriaques chrétiens qui existaient à l'époque du prophète. Et il remarque des tas de choses dans les sourates. La sourate 5 est intitulée Al-Ma'ida, la table servie. Vous savez, c'est une table où il y a plein de choses dessus. Et le verset 114 dit ceci: Mon Dieu, mon Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre sur nous du ciel une table qui sera pour nous une fête, pour le premier et le dernier de nous, ainsi qu'un signe de ta part, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Et en arabe, ça donne ceci: Qala Isa ibn Maryam, Allahumma Rabbana, anzil alayna ma'idatan minas sama, takunu lana 'aydan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khayrul raziqin. Or cette sourate 5, elle est la dernière révélée selon la tradition islamique. Ça ne veut rien dire, la table servie, la sourate de la table. Mais c'est la scène, C-E, accent grave, N-E, des chrétiens. Le mot arabe, Aïd, qui veut dire fête, est emprunté à l'araméen, et ça veut dire le mot liturgie. Et si vous la traduisez en syro-araméen, ça donne, Seigneur notre Dieu, dit Jésus, fais descendre sur nous une scène, qui soit pour nous une liturgie, pour le premier et le dernier d'entre nous, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs.